Salut à tous et à toutes, ici Ranulf sur Kingdom Hearts 3, les amis. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté après avoir été au manoir, fait discussion de plein de trucs. So, you think you can bring Roxas back? Oh. Et du coup, on va retourner en ville et là, on voit Handsome. carrément Onsem. Carrément Xemnas. Xemnas. Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Rien n'est impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Handsome and Xemnas used to be part of the same person, right? Oui. But look, now they exist separately just fine. Et voilà. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh, yeah. Yeah, you tell him, Captain Goofy. Captain Goofy. Eh, Ben. Case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish? He'll never answer to you again. Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back, which is mais for forcément you notre moyen, alors. As well. Forcément notre moyen, mec. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on then. The shadows are never out of reach. Wouah, ils sont violents eux. What? Now, set your heart free. Wait, Sora. It's not darkness. Not if it helps him. Oh oui, rien à voir. We got this. Ta mère la mouche, ouais, j'ai pas que ça à foutre. Déjà un truc. C'est étrange. Mais va te faire foutre la bouche. Attends. Mais je peux pas arrêter ça. Je vais voir les tasses. Ah, Dago est là, hup. Ouais. Wouhou, c'est trop stylé, c'est marrant. Wouh, c'est stylé. C'est marrant les attractions, je trouve que c'est stylé. He said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Bah voilà. Non mais. Are you with me, Donald? Goofy? Mais bien sûr. You betcha. I don't know what Ansem and Xemnas want, but I think we better tell the others to watch out. Okay then, let's head back to town.
Attends, je vais essayer d'attraper plus haut la musique pour vous. Ta configuration. Je me t'inquiète. Voilà. Voilà, ça devrait être bon là. Ouais, on va la rattraper. Ah, forcément, on est sans cœur. Hein. Sans cœur, c'est pas qu'il est merde, ça. C'est vraiment plus simple de se battre au cœur. C'est le chien qui touche les trucs. Hop. Voilà. Boum boum. Le coup de cœur c'était pas terrible sur ce coup. You le vert. Eh hey, merde. Putain, je voulais pas. Surtout que je vois que dalle là. Ça tombe de ouf. Mega splash. Mais oui. Ça c'est pas mal ça. Wouhou. Ça n'a pas de Disney là dedans. On les a défaussés. Ah, ils sont inoculés. C'est pas tout à fait fini. Je suis embrassé synchrone, mais apparemment ça l'a fait. Bon, elle va retourner en ville là, parce que c'est bien de se battre, mais bon. I bet you there's a lucky emblem here. Et tu as un fétiche? Ah bah oui, si. Et je prends les photos déjà. Comment je fais les photos déjà? Objet. Je sais plus quoi faire la photo. Ah voilà, c'est ça. Et les mouches qui me cassent. Nice. Ah d'accord, c'est pour prendre des objets, avoir des objets, c'est intéressant. Très très intéressant, la mouche dégage. Putain, wesh, il y a une mouche dans la chambre, une seule dans toute la baraque, elle va me casser les couilles moi. Putain. Reste là, je te vois ça putain. C'est une blague cette mouche. C'est marqué en attente. Du coup je vais d'où? Ça doit être là, ouais c'est ça. Effectivement c'était ici. On est de retour en ville. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais monte, que tu passes sur le côté. Voilà. Ouais. Bref. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Well, bless my bagpipes. It was you laddies who rescued my chef. What? Picsou? Huh? Wait. Didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Ah, c'est cool. Ça, mais très riche. Et très Picsou, justement. How are you, Uncle Scrooge? Oh, Scrooge. Hello, Sora. You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. What? Hope Donald isn't making a menace of himself. Why would you have to say that? So, Uncle Scrooge,
what's that you were saying about a chef? Oh, right, right. The chef of me bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. Ah oui, c'est le rat, son chef, le chef. What is it? Wow! Cake! Hmm? The whole cake? It's for us? Bah oui, uh-huh. Pour le pape. Ah, settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tarte of fruit. Tarte of fruit? En version française, ça. Under my hat? May I introduce Little Chef? Mais oui, c'est Ratatouille. It's you. At the Scrooge, you open the bistro and try that time. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought, that's an opportunity. And I financed the whole operation. Ooh, I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients, especially anything unusual. That'll be fun. Kind of like a scavenger. Ouais, mais ça, ça la bouffe, c'est mieux qu'une trésor. And the more, the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start with Y a le flair, y'a le flair. We'll do anything to try more of Little Chef's food. That tart sure did look scrumptiously delicious. Okay. The ingredient hunt is on. Une tarte multifruit. Bistro petit chef. Dans le bistro petit chef, vous pouvez transformer les ingrédients que vous trouvez en plats savoureux. Manger des plats pour un peu. Permet de bénéficier de bonus de stats temporaires. Et je viens de manger, mais bon, là, c'est violent. Les recettes disponibles dans le bistro dépendent des ingrédients que vous avez récupérés. Alors pensez à en chercher dans chaque monde pour que le petit chef puisse élaborer de nouvelles recettes. Ok. Ah, il est là. Go on, lads. Mais j'ai trouvé plein d'ingrédients. C'est ça, ça. Let's keep searching. C'est pas sérieux, je dois m'amuser à chercher ici, mais j'en ai plein, moi, déjà. Ça m'étonnerait que je trouve des ingrédients dans les poubelles, hein. Ouais, ah, je peux pas aller ici. Ouais, du veau. Carrément, du veau. Hop là. Non, moi, est-ce qu'il y a des trucs? Ouais, j'y voyais ici. De la sole. Ah, ici. Du beurre. Je sais pas ce que faire avec ça, mais... Ouais, c'est ça, la chasse aux ingrédients. C'est pas passionnant, mais bon. Je sais dans quel truc ils sont, donc... C'est même pas j'ai eu quoi. Bon, c'est pas grave. Ici, il y en avait un. Mais j'ai déjà pris. Mais si c'est d'où je viens, bah c'est quel con. Ici, si, j'ai déjà pris, ouais. Je peux prendre l'air comme ça. Ah, bah oui, là il y a des fruits. Du céleri. Ouais, c'est bon. Ah, ici peut-être tout dedans. Non, je... C'était quoi ce touche? Ah non, parce qu'il y a juste un Keyblade, d'accord. We can't leave. Little Chef still needs our help. Ouais, mais bon, tu crois que je vais m'amuser à chercher? Bah, je vais m'amuser à chercher partout, bah oui. Tout bas, il y a des trucs intéressants, non, bah non. Hope we find some ingredients around here. Ah, tiens. What the hell? Wow! And the crowd goes wild.
Ah, il fait des ingrédients deux même. La seule, plus que deux, Donc là, ouais, c'est clavier, elle est pas bien grande, hein, donc. Ah. Du chocolat. Je sais pas ce qu'il faire avec tout ça, mais ça va être un sacré mélange, hein. J'ai pas un mélange. Little chef still needs our help. Oui, bah oui, je suis désolé, mais bon, hein. Hop, 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 hop. Non, ça c'est plus bien. D'où je viens. Ah, il y a des fruits. Et voilà, on a des ingrédients. En gros, c'est le tuto du truc. Salut. Hey, guys. Oh. Painter. Salut. Hey, boss. Done with the posters. Hey, good work, kids. Allez, mon petit. You guys work for Uncle Scrooge here at the bistro? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Bah, carrément, attends, mais franchement. Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Eh bien sûr, le code QR, bah oui. There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. D'accord. Of course, laddie. Ça, c'est pas lui qui a fait ça, c'est lui qui... And then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. Le marketing. Happy and hungry. And oh, désolé. Spend their money. Uncle Scrooge. Ah bah c'est business. He sure is canny. Il a raison. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh yeah, I'm no business guy. Bah, but I sure tu wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Ah non, tu voudrais pas, non. Oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of them for us? On va pas rester, hein. You have to leave again? Ouais. Mm-hmm. But we'll definitely be back. When you gonna slow down? Yeah, sorry. Ouais. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost, but Donald and Goofy, Kairi, brought me back by wishing with all their hearts. So, I was hoping the three of you would do the same and wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence too. Thanks. Aïe. Uh-oh. Oh putain. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Huh? Yes. Just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Fair enough. Ils sont gentils, mais ça, du coup. Let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. Ah, c'est des méchants. Voilà, comme ça, but moi, c'est in that case, we'll have to find ourselves another vessel. Et ils veulent faire de moi un réceptacle. That is why we never have just one iron in the fire.
Ouais, Roxas a ce son de rechange. Le Pit Géant. C'est un jeu de rhum classique que vous pouvez jouer sur le Gameaphone. Sélectionnez rhum classique sur le menu Gameaphone pour installer l'écran. Puis sur triangle, comment sélectionner le jeu pour quitter le jeu. Étoile filante, mais oui. Vœux crépuscule. Étoile filante peut changer sa forme et se. Oh, double arbalète. We brought some ingredients. On a apporté des ingrédients. Oui. Le grand bistrot. Et après, je vais montrer le jeu. Allez, dépêche. Ah, voilà, d'accord. Is the food ready yet? Huh? Il est tout seul à cuisiner. He hasn't started? Huh? Whoa, hold on. Hey. Ah. Oh no! Oh, whoa! Would you? C'est toi qui cuisine. You're gonna make me cook? Ah, c'est toi qui cuisine. Allez, hop, on fait 3. Et merci les ingrédients, merci. Oh putain, je vais faire moi-même. Rapidement, sans faire de mal, inclinez rapidement pour ramasser une fois que vous avez fait inclinez pour prendre le suivant. Ok. Excellent! Ouais! We did it! Repas complet, c'est tout, je fais juste ça. Consommer. Ok, on va en faire d'autres, hein. Je vais voir ce que c'est, si ça change. Merde, je voulais en faire plusieurs. Bah voilà, c'est ça. Flambez les ingrédients. Effectuez des cercles pour verser tout en sachant qu'il faut juste la bonne quantité. Ah. Une fois que vous pensez que c'est bon, inclinez. Ok. Le secret de la bonne cuisine, c'est l'imagination. Lorsque des volutes d'inspiration apparaissent, c'est le moment d'incliner. Pas avant ni après, faites attention pour verser trop. Ok. Ok. Ah, j'aurais dû attendre. Ok, j'étais trop vite. Rive de vous, pour aller. Commencez, on va aller doucement, gars. Oups! Sorry. Raté! Bon, rip la bouffe. Je peux en faire 6 de ça. Menu de preuve, alterner entre. Ok, juste. Oh, les cercles se ferment sur le menu du poivre. Ok. Ah, je rate une fois, ça y est! Sorry. Rip. Tant pis, je n'ai perdu 3 du coup. Ouais, voilà, j'ai réussi. Soit le mounir. Ouais, bah c'est tout, ouais. J'ai pas non plus. Dommage, c'est que je vais revenir ici plusieurs fois, mais voilà quoi. Qui c'est le bistrot? Ouais! Et je vais tester le Gummy Phone. C'est pas le Gummy Phone, c'est. Je crois que c'est en dehors du truc, mais je suis pas sûr. Au niveau du vaisseau. Au niveau du vaisseau. Ah, si je fais star, on verra tout de suite la réponse. Alors c'est là. C'est que c'est cuisine principale pour manger. Ah oui, c'est bon. Pour consulter, c'est bon. Gummiphone. Royaume classique. Alors, qu'est-ce qui se passe? What, le pays des géants. Évitez les attaques du géant et enfuyez-vous de la pièce. Étape 1. Servez-vous de la cuillère pour. Montez sur la table, atteignez le rideau et appuyez sur croix pour l'ouvrir. Ok. Étape 2.
Approchez-vous du poivrier, il y a plus sur quoi. On se pensait du poivre géant. Les faire retourner et ensuite ça, c'est un. Sauter sur une bougie et autre. Vous rejoindre la fenêtre du Mickey vous attend. Oh putain. Oh mon dieu. Ah. Ah d'accord, il bouge tout seul. Ouais. Wouhou. D'accord, c'est ce genre de jeu à la Game & Watch. Ah merde. Ah d'accord, oh c'est une blague. Raté. Eh, je vais au moins réussir une fois. Dépêche. C'était chaud. Voilà. Ah, d'accord, c'est quoi je dois faire. Ok. Ouais. Mais c'est une blague. Ouais. Bon, après, c'est les mêmes stages, d'accord. D'accord, c'est un stage pour moi. Quitter, non, c'était pour recevoir comme ça, donc. Ok. Histoire, ouais, d'accord, c'est ok, ok, ok. Ah, c'est du jeu rétro, mais oui. Et ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va se laisser ici. Parce que vu comment c'est parti. On risque de... Comment dire... Avoir une vidéo hyper longue, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, la cloche si vous voulez voir la suite, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Snapchat, ainsi que Twitch pour les lives du lundi au vendredi à 11h30. Au revoir, c'est tout, on se devait regarder, ciao ciao.